Hey, je reviens avec une petite vidéo en partenariat avec Cookson encore une fois, donc comme d'habitude, merci infiniment Cookson de me faire confiance. Alors là, j'ai demandé à essayer un produit qui est un basique que tout bijoutier qui se respecte doit avoir dans son atelier, surtout si tu as des problèmes au niveau des ophtalmologiques et que tu as des... Bon, les problèmes de vue, ça se traite avec autre chose, mais en tout cas, si tu veux pas trop forcer sur tes yeux et que tu veux un petit peu préserver ton capital vision, je te conseille fortement de prendre ça. Donc moi, je te montre l'emballage, mais évidemment, j'ai déjà vu le produit et testé. Sinon, je ne t'en parlerai pas. Donc le lien sera évidemment dans la description si tu souhaites te le procurer. Donc ça s'appelle un Optical Glass Binocular, je ne sais pas comment on dit en français. C'est un produit qui apparemment est américain, voilà, qui vient des USA. Alors ça arrive sous cette forme. Donc ce qui est bien, c'est que c'est très bien pensé, en ce sens où déjà c'est assez confortable, je l'ai mis, et franchement on s'y fait, c'est pas le truc qui est létaux, qui te serre la tête et que tu te sens pas bien, on s'y fait très bien, il peut être relevé et redescendu, il y a des molettes sur les côtés qui permettent de régler justement le serrage en fait, si tu veux, pour que ça soit plus facile à dévisser, à monter et descendre, soit plus rigide. Donc ça se passe sur les côtés, les molettes permettent de rendre plus facile ou non le lever et le baisser des lentilles. Je ne sais plus exactement la grosseur, mais il me semble en plus qu'on peut les changer. En tout cas là, c'est un numéro 5. Donc voilà, ça permet tout à fait, c'est largement suffisant pour pouvoir faire les serties, les trucs rapprochés. Ça a vraiment un effet loupe qui est vraiment très appréciable pour le serti. C'est très confortable comme je le disais, et le tour de tête se règle à l'arrière avec la molette que tu visses et tu dévisses pour grandir et rapetisser. Donc c'est très pratique, ça va à mon avis à peu près à toutes les têtes, parce qu'on peut élargir énormément et rapetisser pas mal aussi. Et on peut aussi le porter avec, pour les porteurs de lunettes qui ont déjà des lunettes de vue, vous inquiétez pas, ça a été conçu de manière à ce que l'espace est là et permette aussi de pouvoir le port de lunettes en plus est tout à fait jouable. Donc c'est vraiment un petit outil qui est vraiment très pratique, de bonne qualité, les verres sont bien, il y a même dessus une protection pour vraiment protéger les verres des chocs ou de quoi que ce soit qui puisse, des projections qui puissent y avoir dessus. Et vraiment je recommande très fortement cet outil, parce que c'est vraiment un truc qui va t'aider, et même pas que pour le sertissage, mais pour tout, avoir une vision plus poussée et agrandie avec un grossissement, ça va te permettre de faire un travail beaucoup plus aisément et de faire des choses beaucoup plus propres et précises. Donc voilà, je te laisse le soin d'aller regarder le produit s'il t'intéresse. En tout cas, moi je valide. Bon bah écoute, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.